Des jeunes décident de fêter la diversité culturelle du continent africain. À travers cet événement, ce groupe d'étudiants a voulu partager le regard de la nouvelle génération, de la musique, des expositions, qui invitent à repenser la représentation du continent, mais qui reflètent aussi l'immensité et la richesse de l'Afrique. Ce sont des images de Yousuf El-Razi commentées par Rita Saha. Danse africaine, tam-tam, costume traditionnel. Le continent était à l'honneur à Casablanca. Un vrai mixage des cultures entre Ehwesh et autres folklores marocains. Plusieurs écoles ont organisé une journée dédiée à l'Afrique. Un brassage des traditions qui reflète l'ouverture du royaume sur le continent. Convivialité, partage et échanges interculturels étaient au goût du jour. Le programme du festival est assez varié. On met d'abord à l'honneur la diversité africaine, avec les tissus, défilés de mode, la musique. On mettra aussi, en sachant que la musique africaine commencera par la musique nawa. Qui est vraiment une musique que l'on connaît bien. Je suis depuis 10 ans au Maroc et je suis très sensible à cette beauté culturelle. Une beauté culturelle représentée entre autres par sa gastronomie. Les spécialités culinaires de plusieurs pays du continent ont été présentées. Des mets qu'ont pu découvrir les étudiants marocains, ainsi que des expositions artistiques symbolisant l'art africain. Aujourd'hui, je présente ma nouvelle collection, l'art africain sous toutes ses formes. Je reflète un peu l'art ethnique, l'art de mes ancêtres pour ne pas oublier les racines. Nous avons été agréablement surpris par la bonne humeur et la générosité de la communauté africaine qui nous a réellement ouvert les bras avec une grande facilité. J'espère que le Maroc s'ouvrira réellement sur l'Afrique puisque c'est là qu'il y aura l'avenir. Un événement qui a réuni des artistes et étudiants de diverses nationalités. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à choisir le royaume pour leurs études. Une diversité qui renforce le potentiel culturel et créatif du Maroc.